bote na bino ba papa ba maman na bilenge o izali agence na bino smart consulting o izo sa la bino musala ya kitoko toza na ba bourse d'études pour na bana na bino o yo ba kokene ko tanga na étranger etc yango ebimi papa maman milenge la yaka na bureau pour na ko se renseigner pour na intérêt ya mwana na yo. Tous en a bourse d'études pour la Tunisie, tous en a bourse d'études pour la Chypre, pour la Biélorussie, la Ukraine. Pour la Union, tous en a pour ça, il y a aussi le tourisme, la Schengen, la Canada, les États-Unis, la Turquie, Boya, tous en a la Bino, assistance visa, na $500, y a Bamba. Attends, yo moutou, vous êtes commerçant, vous en a pour ça, vous êtes commerçant, vous en a pour ça, vous Chine. Vous avez posé au bête à tour à Dubaï, il y a un smart consulting, il y a Kitoko, nous avons toute une équipe de professionnels qui seront là pour vous assister. Le numéro de Suzanne AC, vous avez un abisso, pendant la réunion sur la ligne, vous avez un abisso, vous avez un bureau, vous avez un commune à Ningwala, l'avenue Nyangwe, numéro 269, arrêt Asanef, référence Kin Marché. Bienvenue à tous. La smart consulting avec $500, on peut voyager partout dans le monde. Vendredi 20 novembre 2020, dernier jour de la semaine Oyo, et puis dernier numéro à plateau de vérité. Mbote na bino nyonso ici ka bozwa mais bozwa na Kinshasa, bozwa un peu partout. To banzié te bozwa li malamu na banda ko na bino pe na ba musala na bino. Kinshasa mu les orbites mokolo na mokolo. Et la kisi Oyo nini? Gouverneur de la ville, gouverneur de la ville province à Kinshasa, j'ai tenu un sala. La projet n'est qu'une bopeto, sur le tambour de Kinshasa, la cime à Mboula, pour comprendre que qu'une bopeto, c'est un cas cali solo, et puis, comment on a un banderole, et comment on a un musicien, au moins on a un bopeto, on produire musicien, mais dans les fins fonds à Kinshasa, dans les concrets, et là, on a un sala, ma posa en Kinshasa. Merci de la confiance pour ça, la rabisse au plateau de vérité, à mon collègue, au sein de la ville. Pour s'abonner belé na chaîne YouTube Nabiso et pour permettre na bino le rôle courant c'est kala moninga mabe ya congolais pe ya kino atant tango nyoso et si ka zoa mokolanda plateau de vérité mutu moa comme linga il préfère encore l'époque ya dislocation ya wenge qui actuelle classe politique injure insulte et s'ériger à mode de gestion, non seulement à la partie politique, mais à mode de vie normale, il y a des Congolais, mais surtout, il y a aussi la politique. Pour moi, il y a aussi la politique. Et je me suis dit, ce que je veux dire, c'est un point de vue, que c'est pas la moitié. Rien ne sert à faire. Et là, on a des gens qui ont besoin de la diaspora, mais il faut qu'on précise, et je me suis dit, ça fait casse la Kinshasa. Kinshasa, ce que je veux dire, c'est pas la point de vue, et là, on a des gens qui ont besoin de la est-ce que vous avez besoin de la est-ce que vous avez besoin de la diaspora? Et là, on a besoin de la diaspora. On a besoin de la diaspora. On a besoin de la diaspora. Ce qui est de se mettre dans l'examen, on a besoin de la diaspora. On a besoin de la diaspora. Ce que vous avez besoin de la diaspora, c'est que vous avez besoin de et le remonte. Bando fin à la bataille. Le roni nous changea l'environnement. Nous autour la pembe na yo et le remonte. Est-ce qu'il faut finir à la conzi en boka? Est-ce qu'il faut finir à battre un parti politique ou basan à point de vue moroté na yo? Est-ce qu'il faut finir à moutou moko boy pour lever le comore se pelle si yote? Est-ce qu'il faut finir à moutou oyo a pesi yo kanda? Batou magamouye soane bongito tiens ou musika ko finir à wana et bien marre le remonte na boka na biso. Par contre, nous avons une exception sima. Congolais ou comme à moutou ya soni po ba e billet qui y est réaction na yé libourse à ko finir. Sur les scènes de chemise, je suis venu à Talio. Je suis venu à Talio. Je suis venu à pourquoi mon frère, merci, na bongisi. Et au couteau, il est venu à Ndeko Je suis venu à Talio. Je suis venu à Talio. S'il vous plaît, mon frère, est-ce que je peux passer? S'il te plaît, ma soeur, est-ce que je peux passer? Et au couteau, il est venu à ma valeur. Et ça est venu à Talio. Bongisi, Koloba, merci, Koloba, pardon, Koloba, yaya, Koloba, bonjour. Au côté de la carte de taxi, au côté de la carte de taxi, on peut se battre tout le monde. Le chauffeur a gagné longue, ma client a gagné longue, surtout on a concentré dans ma campagne. Mais non, concentré dans ma campagne, même ma carte, ça peut se battre tout le monde. Et bon, il faut que ce que l'on a, et y a-t-il dans mon cannabis. Merci Nabino, ma toison, le balélo, l'avion, des chasses, le temps, le colo, la ville, la province à Kinshasa. C'est un exercice, mon malade, juste peut-être un entraînement ou encore démonstration. Mon biloko, vous avez un calama ming, la démonstration à force et rien, vous avez un exercice, mon fréquent, vous avez un salam, ming, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un calme, vous avez librement la préoccupation, la mine, vous permettez à ce que vous avez un bon mot, vous avez un merci de la confiance, vous avez une consultation, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un FCC cash, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, mais à l'angan, vous avez un mot, vous avez un mot, tokendaka na poto kozwa maele
Est-ce que le Oyo, diaspora congolaise dans son ensemble, à part on a un niveau de développement à Bissau et Zalinini, est-ce que tant que Zonga Kanamboka pour investir, difficulté Nini Bakuta Nakango, est-ce que Nzélez a refoué à Manengwa le bas guichet unique d'entreprise? Est-ce que ce sont les qui n'ont guichet unique d'entreprise pour sa Mikanda et permettre à Fongola, moi et l'eau, on a moi, mon cas engagé deux, trois personnes à est-ce que ça n'a pas de malam? Bango moko lecture nini bazana yango congolais à l'interne na comment on a bango le voilà batu moko boy je veux pas ici qu'on fasse l'explication ya makam ne bango balo mais congolais à l'interne na comment on a bango le voilà batu moko boy surtout na ba quartier batu no so mon nom dans la lecture na yele tali bongo diaspora batu so le bara ba ko vanda a sangisi sangisi aye a luki 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 bongo sisi ya ki est-ce que lecture wana de kaka et c'est tout ça na bango pour na bande kona biso ya diaspora merci la conférence pour sali biso na yango vendredi le 20 novembre 2020 Toyama Moko, Botoyama Bongo plutôt Moko, y a pas de connaissance sur la diaspora. Azali patron d'entreprise de sécurité. Pour Naya le Bazali, la meilleure entreprise de sécurité rapprochée à niveau de la Belgique, Mobimbawana. Azali na kati événementiel. Azali na kati mouvement associatif. Azali na mouvement Moko ya Munene, O Lelo, Moto Savanda, la Belgique, Pena Proceda d'ensemble. Et bien, Change Asbel. Mais même bien, on peut déjà avoir la Kinshasa. Azali na Change Africa. Donc, change veut dire changer. Changer Afrique, tu comprendre, changer Afrique, na nengeni ni po, Afrique est bon, est bon, on est qui nengeni ni, asali patron d'entreprise. Est-ce que l'expérience où yaza na roule patron d'entreprise, na niveau à Bruxelles, a eu comme mayango awate, a eu basali entreprise asali la meilleure entreprise en matière de sécurité rapprochée, na niveau à Belgique dans son ensemble et puis na Bruxelles. Tu me conçois na yeto ma. Makanisi ni yazo kanisa pour la République démocratique du Congo, moi l'amboka dido la kama de ko dido bonio. Bon, ça va, merci beaucoup. Merci pour l'accueil et pour l'invitation. Vous êtes à Kinshasa depuis quand? Ça fait déjà 4 semaines. Hein. 4 semaines, pratiquement un mois. Un mois, oui. Kinshasa, ou mon ambiance à Kinshasa? Bon, on a eu, bon, je suis vraiment venu. C'est vous avez discuté le balinga, la lingala, non, mais quand? On a eu d'abord pour Moussala, puisque dans le cadre événementiel, tu m'as mis artiste, moi, comme on est Nino, c'est un rappeur français. Oui, il est un peu partout. Oui, il y a partout. Ouais. Bon, lui, c'était un Congolais d'origine, il n'est jamais venu au pays. Donc, voilà. Non, à Botamakotokuna, à Kolipé, et puis à Komepé Star International, c'est-à-dire que lui, c'est le rappeur numéro 1 à Paris et dans le monde. Donc, on s'est battu pour qu'il n'y ait pas. Hier, après savoir ma casse et pas toi Congo, surtout auprès de la jeunesse, il a gagné un disque de platine. Donc il est venu remettre et offrir à la population congolaise et de Kinshasa son trophée parce qu'il est fier d'être congolais, même si ils sont jamais venus ici au pays, mais on est en Europe, on est en Amérique, on est en Asie, mais on est toujours fier de dire qu'on est congolais, toujours fier. Et lui, il part toujours du Congo. Il y a une chanson qui s'appelle Kinshasa. Okay. Et puis il est venu remettre le trophée, puisqu'aujourd'hui, PC moins reconnaissance internationale. Okay. Et il est venu offrir ça à la population congolaise pour leur dire qu'il les soutient et que même si à Moussika, son cœur reste au Congo. Même si Zamoussika, son cœur reste au Congo. D'ailleurs, ça fait pas mal de temps qu'on a Okende Kuzonga, Okende Kuzonga. Mais, n'a pas d'exercice de Okende Kuzonga. On a Kinshasa, on a été en train de faire un peu de temps, et ça n'est pas, du bossu, ça n'est pas en arrière. Kinshasa, parlons de Kinshasa dans sa gestion, Kinshasa dans la vie quotidienne, Kinshasa dans ses poubelles. Bon, émission, c'est plateau de vérité, donc tout va plus la vérité. Oui. Depuis que je voyage, je vois quand même une évolution, même de manière administrative, les choses commencent un peu à accélérer. Les choses ne vont pas vite comme on voudrait, mais il faut quand même avouer que ça avance petit à petit. Bon, il y a aussi d'autres choses qui vont en arrière, malheureusement des choses qui ne changent pas. Bah, embouteillage, il y a toujours des embouteillages, il y a toujours des problèmes administratifs. Des embouteillages déjà partout, même, pas la plus même chez nous, il y a. Mais on avait construit des routes, des sauts de moutons pour justement débloquer les embouteillages. J'en ai vu qui continuent maintenant, j'ai vu l'évolution. J'ai vu le début et j'ai vu maintenant que ça a évolué un peu. J'attends qu'ils commencent à les mettre en pratique pour voir aussi comment ça va désengorger les routes de la ville pour que ça facilite les gens à se déplacer. Ça, c'est vraiment un grand problème. J'ai vu aussi qu'il y a aussi des facilités maintenant administratives. J'ai vu aussi qu'il y a des partenariats qui se font de plus en plus rapides. J'ai vu aussi qu'il y a une volonté et que les gens commencent à revenir et commencent à entreprendre ici. Ça me fait très plaisir. Et je remercie un peu aussi la jeunesse du Kinshasa qui continue toujours à se battre malgré les difficultés. Ce pays est en développement, ça continue à changer. Et moi j'ai espoir que les choses vont changer. C'est pour ça que je viens toujours ici au Congo parce que faut tout bonner là-haut.
La présentation dans la salle pour Nayo, patron d'entreprise, entreprise de sécurité, aux anacates événementiels, aux anacates de mouvement associatif, et puis aux alliés dans Change Asbel, ou dans Kinshasa, un platango Change Africa. Ça te va? Moutou Liboso, pays aussi, une association qui s'appelle Moutou Liboso, qu'on travaille en coordination. Association Moutou Liboso. Moutou Liboso, c'est-à-dire qu'il y a deux sens. Ceux qui Moutou, c'est Moutou, l'être humain, et puis la tête. Donc c'est-à-dire que moi, je pense que si le Congo doit changer, c'est d'abord la tête qui doit changer, la mentalité. Donc si les gens commencent à prendre conscience, et c'est ce que tu avais dit un peu au début, si les gens prennent conscience que c'est chacun d'entre nous, parce que le slogan est le changement commence par soi-même. Même si on l'a dit, Makamoué, changer, Yomoko, il faut Banda, changement. Changement. Yopi, il faut Salango, il ne faut pas le Dima, il faut Salango. Voilà, donc tu commences à changer, et puis petit à petit, tu demandes à ta famille, tes voisins, tes partenaires de changer aussi, et au moins, on a beaucoup à échanger dans haut. Il n'y a pas que l'écolo, ça veut dire. Le changement doit venir aussi de la politique et des responsables, mais doit aussi venir de la population, parce que c'est nous la masse. La population, on est massivement plus prompte à faire un changement. Si 1 million, 2 millions, 80 millions de Congolais changent, les gens qui sont à l'autorité, ils vont être forcés à changer. Et j'aimerais aussi que le rapport entre la population et la politique change. J'aimerais qu'il y ait un meilleur dialogue entre les réalités que la population vit et ce que les politiques nous donne dans les discours. On doit accompagner les politiques, mais pour ça, ils doivent créer un dialogue. Ils doivent parler avec la population pour qu'ils soient au courant de ce que la population vit au quotidien. Il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a aussi des conseillers, mais ils doivent être toujours à l'écoute de la population pour comprendre les réelles attentes et les besoins de la population. Change Aspect, Change Africa, et puis mouvement associatif na yo et puis événementiel moi moqué mais événementiel sur le bureau qui na Nino Nino a zongé déjà passage na éthique là car n'enga y a qu'il y a encore il y a une structure éthique là na il y a une structure où il va peut-être continuer de soutenir jusque ce que Baba m'a tapé. Il a pris des contacts avec trois structures et il va continuer à faire les contacts. Ils sont toujours en contact actuellement et il y a des projets. On a mis Nino, mais on va ramener d'autres artistes et on va impliquer les artistes aussi qui ont une autorité, puisque Bayebani Makassi, on va les impliquer pour qu'ils deviennent aussi les ambassadeurs du Congo. Quand on parle de changement, on doit aussi changer l'image. Au moins, l'image que j'ai d'un pays va faire en sorte que je vais venir. Si pour moi le Congo, c'est un pays de désordre, de problèmes, n'a rien à mater. Mais si pour moi le Congo, c'est un pays où il y a de l'espoir, où je mets une image, où il y a une jeunesse qui se bat et qui veut changer les choses, ça va me donner l'envie de venir. Il faut montrer, nous aussi les Congolais, on a aussi le rôle d'être des ambassadeurs dans notre pays. Quand on communique dans les réseaux sociaux, il ne faut pas toujours critiquer notre pays. Parce que Batoumsous bat Talango. Et puis après, si Batalango, il entend les critiques, bon, au bout de la traduction, français. Exactement. Mais on reproche peut-être que l'artiste est au Yubino Boye l'Arabie soit. C'est le fait qu'il y ait, malgré l'autorité, malgré Ora, Naya Zanangolo, Namokila, à l'Ekibongo, que Bakota vraiment été dans le vécu quotidien, il y a des Congolais. Parce que sous notre sujet, l'artiste sera hier, beaucoup a vraiment empreinte, Naya Tikale, beaucoup a une très très grande fondation, Nino, où ça a peut-être une œuvre caritative, où ils sont par-ci par-là, mais Bissouye, avec un concert, Naya Mokomine, avec un concert, surtout une bonne boum, Bona Selemba, Bayebiete, surtout une bonne paga Juma, Bayebiete, avec un concert, Naya Gombasisi, à Kaido, Raye, pour la classe, Mokoboye. Comment se fait-il? Comment vous faites pour vous marabouquer en ça pour tabatier comme prendre tabango parce que la grande partie ça bateau basan a gombété même maintenant à Kinshasa. Tu as solo mais tout ça on a gombé pas pour toucher que les gens de la gombe mais puisque on a aussi fait un prix assez bas pour donner la chance à tout le monde de venir tu vois. Il faut aussi chercher des structures et le comme ça c'est ici là au Congo il n'y a pas de réelle structure pour faire des événements. À part, c'est toujours les mêmes structures chez lesquelles on fait des événements. Donc, on a aussi parlé aux autorités pour leur dire de créer des salles de fêtes, des salles de concerts dans d'autres régions du Congo pour que nous puissions aller. On ne va pas aller faire un concert quelque part où il n'y a pas la sécurité, où il n'y a pas l'encadrement. Donc, c'est aussi un message qu'on a passé au gouverneur de la ville, c'est aussi un message qu'on passe aux autorités de créer des structures qui font que les gens qui viennent de l'étranger peuvent se retrouver dans un certain cadre. Ça, c'est vraiment notre volonté première. Et puis, il y a une équipe qui est restée ici, qui continue à faire la coordination, qui continue à faire un suivi, justement, par rapport à... En fait, il faut faire un suivi, il faut analyser, parce que ici au pays, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, lui aussi, il veut vraiment... Lui, mais je parle pas seulement en ligne, hein, je suis pas son représentant direct, c'est-à-dire que les artistes, en général, ils ont besoin, avant de s'impliquer, d'être rassurés, d'en savoir, OK, nous, on va travailler avec
les droits des femmes, les droits de la jeunesse, pour l'éducation, pour la santé. Il faut que nous, le travail que, en tout cas, en tant qu'organisateur, on doit, c'est à nous de les transmettre un message. Quand on les ramène ici pour un contrat artistique, il faut aussi qu'on implique dans le contrat une œuvre caritative, une œuvre associative. Moi, vous avez dit que voilà, dans ce que je fais dans ma vie, le milieu associatif prend la moitié de mon temps. C'est mon cœur. C'est ce que j'aime le plus le faire, c'est le milieu associatif. J'ai une expertise dans la matière de sécurité, oui, j'en suis fier, je suis connu pour ça, mais ce qui me motive chaque jour à me réveiller le matin, c'est le changement. C'est le changement de mentalité, ce changement. Je rêve qu'avant de mourir, je puisse voir un réel changement dans la communauté africaine en général, mais d'abord le Congo. Pour moi, le Congo, c'est le centre de l'Afrique. Si Bissot Bandi Moussala, Batomsous Balandango. Dido, la camaza parle de tout bazo bunda bazo qui s'amine ou yalumumba à la kichasa ça la gâte c'est qui voilà tout bazo nga tout bête à l'histoire nga toke na régie tout à la passe à bandeko ba vandi pe mena rivière kalamu na côté à bumbu passe ni bazo omona bouta la ba condition dans lesquelles bandeko ou le bazo vivre bouta la bandeko pe bazo amina bongolo bongolo wana soko zaka na pe meni wana na mbulu e bete kilobi donc le lo sera le sa monase au sein de la maison, ça a été un boulot de télé pour ma condition aux alapas, gouverneur de la ville, et ça n'a qu'à ça, personne n'a eu. Parce que si on veut dire que ma quinoa, ma tao, la qui sa volonté, mais pour ça, ma casse, la bourgmestre, même la taille de carbone, entretien ou la curage à ma caniveau, par exemple, salon de bonbana, et comment on a un policier à samedi, la 500 francs, tout que l'on arrive. C'est la inondation tout d'abord, c'est la rivière Kalam. Rivière Kalam, le col les a déjà rétréci. À partir, il y a un pont Oyo, tout le Bongolo, tout le Yangunza, tout le Oezana petit petit, le pont Yamike Nyonso, le col la rivière les a rétréci. C'est ainsi que Maïtan Ouzoya, moyen le capena na se à pont Wana Ezate. Et puis, maïta en réseau les cas moyen qui les a atteint à vitesse normale, c'est ce qui fait que maïwan est banni qu'au débordé et côté na ba venir à mike entre autres mais c'est déjà à on a venu petit petit na Khartoum point Khartoum petit petit maï et zoya au lieu les canasser à pont Mbalamoko est formé deuxième rivière na avenue Khartoum. Or avenue Khartoum est avenue mon commune ne peut aller que par parcelle les ali. Alors maïwan est au takala mutang formé deuxième rivière. Oui bongoli Khartoum est comme deuxième rivière pendant la pluie. Les maïwan est banni au côté là au bouka ba mur au côté qui n'a pas parcelle. Et c'est ce qui fait que les oluka solution nango pendant cette période pluvieuse. Moi, je suis un peu même si on vend un peu de temps, et que je voulais surprendre quelque part, posons un endroit c'est difficile. Khartoum est un peu de temps. Et comme on dit, on a une poche où on a un calambassa, on a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps, on a un peu de temps. Mais comme on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a une image. On a un peu de temps. Et bébé ça congélateur, et bébé ça TV, et bébé ça fresque biloko et belé. Mais Dieu grand, biso batoza na bon moi. Vraiment bon c'est le souvenir direction auto kokali sou te to comme na souka pas président. Tel est biso likam auto comme na souka maize mata biso ti a. Mais autrement, comme les Kindo,
Parce que je vais au coup pour R2. Je vais représenter les gars du peuple. Je vais vous faire un peu de temps. Je vais penser à ce que vous avez fait. Je vais vous faire un peu de temps. L'université, je vais vous faire un peu de temps. Je vais vous faire université. Mais aujourd'hui, vous avez fait un peu de temps. Et comme le porte-monnaie, il y a un individu, il y a un groupe, il y a un groupe, il y a un groupe. Il y a une solution. Parce que vous avez fait un tellement de solution, vous avez un scandale. Vous êtes à la rata. Combien de fois tu vas à Bongo? Pourquoi tu ne peux pas casser à Bokassa? Les gens sont couverts toujours. Même quand on est couvert le matin, midi, soir, à cause de Bangongi, n'importe quoi. Donc, on va dans la maison, dans la salité, tu ne peux pas. Tout le monde, tu ne peux pas aller au Bokassa. Tu ne peux pas aller au comme elle a moins de peine, ou à Inga Tchango, quelque part, on va te voir les gars comme ça, sur chaussée, naïe. Pas Boksanzela. Aïe, rapide pour la Boksanzelo. À sa aventure, parce qu'ils ont fait le Congolais. Moi, je suis allé à mon côté. Et j'ai appuyé sur tout. Si on a un matin, on a démissionné. On a garanti qu'on a un bon moment, on n'a pas de solution. Moi, la solution pour eux, c'est une solution le plus vite que possible. Pour ceux qui ont été, on a un peu de problème, on a un peu de problème, on a un peu de matin. Soit je reporte mon nez, il y a une poche, il y a une famille, il y a un géant, il y a un géant. Ton lobo, bientôt l'obaté. La katikati, il y a un peu de l'université, il y a un peu de l'université. Ton lobo, il y a un peu Mayo tango etondaka mapango nyoso pembeni ya kalamu batutu bazo dinda biso to lembi mingongo kauki biso koloba mitu kezo kangama awa ezo kufa awa mutu kekufi na katikati ya mai batu bakangami na katikati ya mboka boye boye to lobo bieto loba te boye to sengi na bakonzi ya mboka baluke la biso solution makamu oyo. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Merci, Papi Mandeke, merci à Patrick Kitoko, merci à Maï, au Basala Kimajoana, M. Dido, Wanda Kinshasa. Peut-être le bi, bah, tu ne sais pas, bah, tu as toujours l'idée de retirer les côtés négatifs, la place publique. Mais Wana réalité, Wanda Kinshasa. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, table. Pour éviter que tu aies un peu plus de temps, je suis un commentaire par rapport à Wana. Non, quand je vois ça, je suis triste. Et comme ça, j'arrive pas à comprendre. Mais je pense que justement, il faut aider les gens, des autorités, à mettre des priorités. Et je pense que voilà, tout ce qui se passe de manière urbaine, donc dans les rues, c'est une priorité. Puisque les routes, on utilise ça pour aller à l'école, on utilise ça pour aller au travail, on utilise ça pour transporter nos marchandises, donc pour le business et pour le commerce. Donc pour moi, les transports et les routes doivent aussi être une priorité du gouvernement et du changement. Transport doit être priorité, plutôt les routes doivent être priorité au gouvernement, paye à la population. Change as well. Tout le monde a dit avant, tout le monde a dit solo, il y a apport, il y a diaspora, il y a développement. Change as well, la française, on a change as well, change as well, et c'est le connu. Et nous, le banin, et c'est la canine. Change as well, c'est une association.
de jeunes afro-descendants qui ont comme objectif justement... Donc, des jeunes afro-descendants, l'imbolango, ça veut dire... Afro-descendants, ça veut dire qu'ils sont descendants d'Africains. Ok. Tu vois, donc ça veut dire que bah, parents n'ont pas été Afrique. Mm. Ça veut dire que même si tu es en Belgique, même si tu es né en Belgique, si tes parents sont nés en Afrique, tu es... Donc, tu es un peu sur l'Afrique, c'est ouais. Congolais. C'est pas uniquement congolais, c'est vraiment okay. une grosse association d'afro-descendants, okay. donc des descendants d'Africains okay. qui sont actuellement en Belgique et qui ont justement décidé justement d'apporter un changement. Et on fait un constat que... Justement, en Belgique, dans ces pays adoptifs, il y avait encore de fortes discriminations, mmh. que les jeunes qui ont grandi là-bas, ils sont en perte d'identité, ils ont été coupés de leur origine, et on fait un travail justement pour valoriser leur identité et leur culture. Baye Bango, qui doit connaître leur identité et leur culture. Parce que, tout le valoriser la culture, Baye Bango, Baye bien la culture, Bango, Moka, valoriser. Mais c'est pour ça que justement, tout ça, Moussa, on a avec des professionnels, avec des historiens, avec des gens qui sont des encadreurs, des formateurs qui eux connaissent justement ces matières, l'histoire, la culture, la psychologie et d'autres matières, notamment l'entrepreneuriat, puisque pour nous, le changement vient aussi par la monnaie. C'est-à-dire que si tu veux changer les choses, il faut à un moment donné toi-même devenir un acteur du changement. Et dans le monde qu'on vit aujourd'hui, si jamais tu ne pèses pas financièrement, c'est-à-dire que tu ne pèses pas dans la vie, dans le monde, le respect s'impose aussi par ce que tu apportes aux autres. Donc, on pousse les jeunes à entreprendre, on pousse les jeunes à faire des études, on pousse les gens à trouver leur voie, parce que tu peux faire des études ou tu peux ne pas faire d'études, mais te qualifier ou bien te professionnaliser dans une matière. Donc, on pousse les gens à devenir acteurs. En tout cas, pas rester à la maison, dormir, te plaindre, pleurer. Non, non. Nous, on est dans l'action. On est dans... Tu fais un constat, parce qu'il faut être intelligent, tu fais un constat et puis tu pousses à l'action. Tu fais une stratégie qui font que les choses vont changer. Tu peux faire un constat, comme vous avez vu, les routes de Kinshasa qui sont négatives, et puis tu dois déposer un bilan, et puis tu dois continuer maintenant à faire un travail qui va faire que les choses vont changer. Si tu es là que pour te plaindre, ça ne me sert à rien. C'est pour ça que, Bino, je sais que Nambo, quand vous avez une vision de la diaspora qui se plaint toujours, mais il y a aussi des gens de la diaspora, une majorité qui se plaint, mais qui cherche aussi des solutions. Mais on a la majorité, le but est qu'on a plus de diaspora, où aller la plaintive à tout moment, on a plus de diaspora, au-delà de couler là, où le barambo qui est en bas la moutée, où le barambo est en dessous, où on a la diaspora, où la fingaka, c'est ça. Donc, si on tourne à Kinshasa, on a tendance à la diaspora, où aller la. Despora ou aller la rater à finga. Et sur la monnaie, à souligner la rouler la terre à fingine maramok. Mais ça, despora mou balé la kakana despora fou. C'est un peu l'image où à l'interne de Mazan Angoua et diaspora. Et c'est ça qui est dommage, justement. On ne voit que ce qu'on veut voir aussi. C'est-à-dire que c'est aussi le rôle des gens qui cherchent la vérité. Baba Luka, entreprise, toi diaspora, ils vont voir ici qu'au Congo, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui travaillent activement, qui créent de l'emploi. Ils vont voir aussi que dans la diaspora, à l'étranger, il y a beaucoup, la majorité des gens sont des gens qui sont insérés dans la société, qui travaillent et qui apportent une plus-value et dans les pays adoptifs et dans leur pays d'origine. C'est-à-dire que les minorités que vous dites là, que Finga, c'est une minorité, mais qui sont visibles parce que c'est eux qui passent dans les médias. Ou si la minorité, on a des bazar le dessus, bazar le devant. Mais il y a plus binôme. C'est-à-dire que moi, je comprends pas. Je vois une émission, dans mon Tomboa Finga. Qu'est-ce que je fais? Je coupe, je zappe, je regarde pas. Mais il faut aussi admettre que Congolais, Linaka, Makamawana. Quand il voit des polémiques, c'est là qu'il like, il regarde. Moi, une émission où dans mon Tomboa Finga, je regarde même pas. N'a zappé. Il y a des gens, on va pas citer, et comme Moussa Labango, Azui, téléphone, Moutouana, c'est pratiquement référence pour certains. Mais il y a Bino Boutier référence. Il y a Bino Moko, parce que le fait que Batouba Talaye, c'est que Batouba PC Point Moko, dans la vie aujourd'hui, c'est les vues, le monde aujourd'hui est devenu virtuel. Ça veut dire que si toi aujourd'hui à la télé, tu dis que tu es A, les gens qui vont te regarder, si tu likes, si tu as 10 000, 20 000, 100 000 followers, des gens qui te regardent et qui te suivent, et puis ça m'a cassé. Tu comprends? Moi, je demande, si vous critiquez ces gens-là, que Finga, mais pourquoi les gens les regardent? Pourquoi? Moi, je comprends pas. Or, que ceux qui font des initiatives positives, et moi, je peux vous montrer des milliers, pas un, des milliers d'acteurs constructifs qui font des choses. Tu es fier d'être congolais? On a un homme comme Didier Classe qui travaille dans le milieu de la culture et de l'art, mais c'est le numéro 1 en Belgique, il est d'origine congolaise. Il y a plein de gens dans les secteurs de l'entrepreneuriat, dans le secteur du commerce, dans le secteur de la communication, dans tous les secteurs, il y a des Congolais qui réussissent dans le sport. Dans... Mais on ne communique pas avec
l'arrière-pays, c'est aussi parce ça. Parce que ces gens-là sont occupés à être l'action. Tu ne peux pas être en même temps de l'action, en même temps de la, dans la communication. Tu comprends? Moi, je ne peux pas être en même temps. Moi, les gens vont vous dire en Belgique et à Bruxelles, pour ceux qui me connaissent, je suis un acteur du terrain. C'est-à-dire que si tu vas sur mon Instagram, je publie rarement. Si tu vas sur mon Facebook, de temps en temps, je publie. C'est que c'est là que tu vas bien noter. C'est ça. C'est pour ça que tu as tout dans les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as tout dans les images. Après, tu as est-ce que tu as tout dans la diaspora, tu as tout dans ou bien tu as diaspora qui font un travail, qui viennent au pays, qui construisent le pays, qui collaborent et qui respectent les frères qui sont ici. C'est ça que moi, je veux faire. Je veux vous donner la chance aussi de connaître, vous avez raison, de connaître les gens que vous ne voyez pas, la majorité de la diaspora, de tous les pays. Moi, ici, on est ici dans un cadre de Bossa Nova comme un change. Ici, pour le moment, je suis en train de faire un travail de coordination, on essaie de réunir, de fédérer les différentes diasporas, parce qu'il y a la diaspora de l'Europe. Oui. La diaspora de l'Amérique, la diaspora d'Asie, la diaspora de l'Afrique, c'est des diasporas différentes. Oui. Mais comme on a un kaka diaspora, c'est notre famille. C'est-à-dire qu'en tant que famille diaspora, il faut t'okutana, toyebana. Et on a commencé, grâce à Dieu, à, depuis quelques semaines, et tu nous as vu un jour dans une réunion, de fédérer tous ces diasporas. J'ai vu diaspora de l'Inde, du Japon. J'ai vu un Congolais qui parlait japonais, et comme c'est là, je fais, oh. C'est-à-dire que les Congolais ont des qualités énormes, des professeurs, des ingénieurs, des entrepreneurs énormes. Et moi, dans les plateformes qu'on est en train de construire aujourd'hui, on va bientôt vous offrir à la population congolaise une plateforme de Congolais diaspora organisée, structurée, que si vous avez besoin de diaspora, vous pourrez avoir une référence directe. Pour que ensemble on puisse construire et qu'on vous montre l'image réelle de la majorité de la diaspora et pas de la minorité que bon finalement comment coufing j'aime pas ça. J'ai eu la chance d'avoir une famille, un père et une mère qui m'ont éduqué. Demain j'aurai mes enfants. J'ai pas envie que mes enfants me voient, papa, il passe à la télé, oh finga, mais c'est comment? C'est-à-dire qu'on a des principes, on a des valeurs, et ces valeurs-là, en fait, ce qui manque aux Congolais du monde, donc la diaspora et d'ici, c'est les valeurs. Il faut qu'on se rappelle les valeurs. Hein? C'est ça qui va nous donner le respect de soi-même et le respect des autres. C'est les valeurs. Moutoua Fingo, est-ce qu'il a des valeurs? Même si moi et toi, on n'est pas d'accord. Mais non, Fingo, on va discuter, on va parler, on va donner des arguments. Et puis chacun va faire ce qu'il doit faire. Moi, je veux changer mon pays. Moi, je veux changer ma communauté. En Belgique, il y a des Congolais, il faut que leur vie change. Parce qu'ils souffrent aussi, ils ont des difficultés. Au Congo, il y a des Congolais qui ont des difficultés. Ce n'est pas les mêmes. Okay. Mais dans les deux difficultés, moi, Dido Lakama, je pense que j'ai ma responsabilité aussi. J'ai aussi mon rôle à jouer. Et tant que je serai vivant, tant que nous avons appelé ça souffle, il faut que nous ça là que le jour où nous avons coupé le moment a sali au moins et le Koumoué. Qu'est-ce que, en fait, tout ce dossier diaspora, par exemple, la chaise, qu'est-ce qui vous fait autant mal tant que Zongi na Congo, au Monique, n'engue bandeau au Kanisa, Eza Yangote, l'image où vous allez Kinango, Eza Yangote. Mais est-ce que vous trouvez à Congolais, la Kei Moko, très chaleureux envers Bino Batobo ou Tia diaspora? En fait, et le concernant pas si c'est que, c'est pas une critique, mais c'est une erreur de communication. La plupart des Congolais du Congo ont une image négative des Congolais de diaspora. Or qu'on est déjà au Congo. Moi, je viens ici depuis 2006. Chaque année, je viens ici 2-3 fois par an. Je construis, j'achète, j'investis, j'ai des employés. Tu me vois dans mes activités. C'est-à-dire que je suis déjà là, mais on n'est pas encore structuré pour qu'on fait des actions personnelles. Tu vois, maintenant, pour que l'image des diaspora soit plus valorisée, connu, il faut qu'on travaille en synergie. Il faut qu'on mette l'identité diaspora en avant. Pour que Batouba Yéba. En fait, oh, je ne savais pas que Moutoua Tongi le Kona diaspora. Oh, Moutoua Sali le Kona diaspora. Moutoua Sali Pébou. Il faut, c'est notre rôle aussi à nous, diaspora, de mieux communiquer avec notre public, de mieux communiquer avec nos autorités, pour qu'on devienne visible et aussi qu'on puisse connaître les réels investissements que la diaspora fait. Des fois, c'est un investissement intellectuel. De fait que même si Moutoua Yéka Pamba, dans un voyage
Azu Ben avion, ils viennent à l'hôtel. Ceux qui payent à l'hôtel, ça contribue à l'économie du pays. Quand ils mangent, ils s'achètent à boire, qu'ils prennent des affaires chez les gens à l'extérieur, ils contribuent au commerce et à évoluer et à faire évoluer la société congolaise aussi. C'est-à-dire qu'en aidant les micro-sociétés et les gens qui se débrouillent tous les jours, moi je suis surpris et j'ai de l'admiration parce que les Congolais, je vis quotidiennement dans la difficulté. Mais chaque jour, ils se réveillent. Sans assurance, il va et s'il ne se réveille pas, il ne va pas manger. Et ça, j'admire ça. C'est quelque chose qui chaque fois me motive. Ici, les gens se réveillent à 5h du matin. Ils prennent leurs affaires et ils vont au travail. Et ça, ça... Mais ça ne même pas s'ils vont être payés ou pas. Au moment où moi, je viens de l'Europe, j'ai grandi là-bas. En Europe, si on ne te paie pas ton salaire pendant un mois ou deux, tu ne vas pas au travail. C'est impossible. Moi, à Ouabatoubaï, c'est vraiment Dido. Ici, ça fait 6 mois que ma footing a été. Mais il me dit, mais pourquoi tu travailles alors? Qu'est-ce qui donne le courage au téléma aux épis ma casse nao au Kimsala était même pas sûr que Bafoutao et comme ça là, tu vois, donc c'est à dire que le Congolais a l'énergie, il a une volonté, mais il faut maintenant l'encadrer. Il faut pas que cette énergie soit mise dans n'importe quoi, soit dispersée. On doit apprendre à canaliser notre énergie et en faire quelque chose de constructif. Il faut que ensemble les gens du Congolais de la diaspora comme les Congolais d'ici travaillent en synergie, parce que finalement il y a beaucoup d'abisso. Moi je viens de la Belgique, mais Kouna, bon, finalement, Congolais, je me bats contre la discrimination. Pour revenir au travail qu'on fait, tu dis, le don de Lumumba. L'association Change SB s'est battue pour qu'on ait une place de Lumumba avec d'autres associations. On s'est battu pour qu'on reconnaisse l'apport de Lumumba, le sacrifice de Lumumba. Il n'était pas tout seul. Il y avait ses compagnons qui étaient avec lui. Il n'est pas mort tout seul, Batoubaï, il va monter. Donc, nous, on fait un travail de conscientisation, mais aussi, on pousse à construire des choses qui vont rappeler, qui vont mettre en avant des valeurs. Le sacrifice, penser aux autres. Ah ouais, Namboko et comme ça m'a payé, c'est que les gens pensent à eux tout seuls. Moi. Tu vois, ils pensent à moi. Et c'est ça le problème. C'est qu'on doit évoluer en communauté. Si au Taliban indien, si au Taliban libanais, si au Taliban belge, si au américain. Il y a un pays adopté finalement. Est-ce que vous évoluez en communauté? Louange à Dieu. Louange à Dieu. Je suis fier de vous dire que depuis 2020, malgré ma corona, on s'est mobilisé fortement. Depuis le mois de juin de cette année-ci, les 60 ans d'indépendance du Congo ont créé un déclic. Les gens se sont fédérés. Je suis parti d'une fédération qui englobe plus d'une trentaine, une quarantaine d'associations congolaises qui sont mises ensemble et qui ensemble ont porté un combat. On a fait la plus grande manifestation organisée par un afro-descendant, donc un noir à la tête. On a réussi à organiser une manifestation de 20 000 personnes dans les rues de Bruxelles. On a interpellé les autorités. Aujourd'hui, on a eu une réponse de la première ministre. On a une réponse du roi. Le roi des Belges, le 30 juin 2020, a émis des regrets par rapport au passé colonial de la Belgique, parce qu'on s'est battu pour justement leur dire que ça nous fait mal au cœur que tu es au Tambola, dans les rues adoptives, et on voit des statues des gens qui nous ont traumatisés, qui nous ont coupé les mains, qui nous ont mutilés. Même s'il y a un Mbokalabango, ils doivent, comme ils nous ont mis dans leur pays, c'est-à-dire que le respect oblige qu'on peut mettre dans un pays où il y a des gens qui vivent ensemble. Il faut que tout citoyen du pays se sente respecté. Peut-être que tu vois ce que Namboka Nabino, vous avez un statut à Batou Oyo. Vous avez une guerre à 40-45, vous avez une guerre à 14-18, mais non pas réussi à la Bango qui est pour le temps, vous avez un statut à Batou. C'est la Rabino passe. Non, ce que nous on fait, la Belgique c'est la Belgique. Je peux comprendre que le roi des Belges c'est le roi des Belges. Mais quand on parle de roi des Belges, il faut parler de toute son image. C'est pas que on parle d'une image seulement, le roi bâtisseur, parce qu'il a bâti beaucoup de choses. Il a bâti de grandes choses, il a construit la Belgique, mais il a construit comment? Avec quels moyens? Et par quel procédé? Donc à un moment donné, tu peux dire la vérité sur le roi des Belges, monsieur Léopold II. Mais il faut dire que la Belgique s'est construite au détriment des richesses du Congo. La Belgique, et ils reconnaissent, c'est construit parce qu'ils sont venus coloniser, ils sont venus retirer les droits d'autres êtres humains pour spolier leurs richesses. La Belgique aussi, on connaît. Aujourd'hui, il y a une commission qui travaille en Belgique et je suis fier de faire partie des gens qui travaillent à cette commission. Pas de la commission, parce que pour être de la commission, il faut être député. Okay. Mais on travaille parce que le travail que nous avons fait, l'association Change Isabel, on reste apolitique. Moussa Yanga, c'est pas qu'on a monté la politique en Belgique. Ça veut dire que. On a sensibilisé. Après, vous voyez la marche qu'on a fait, la marche BLM, c'était le 7 juin 2020. Mmh. C'est une marche qui a
montrer aux autorités belges que la communauté noire veut changer les choses. Mmh. On veut que les choses changent. Si vous ne changez pas ça, Toyo Kanaté. Quelles seraient alors les retombées d'un niveau RDC, mais les la démarche Slavino. Les retombées, c'est aujourd'hui qu'on les fait ensemble. C'est-à-dire que cette commission a un groupe d'experts. Ces groupes d'experts doivent travailler avec le milieu associatif, Change et d'autres associations. Ok. Nous, Change, je suis venu ici aussi pour fédérer les associations congolaises, pour leur dire que nous, Tobon de la Makama Congo, mais on est la diaspora, on n'est pas le Congo tout seul. C'est-à-dire que c'est avec vous, avec les autorités du Congo et les milieux associatifs congolais, et on a... Aujourd'hui, là, on est 17 associations congolaises qui se sont réunies. Ici, je passe mon temps à faire des réunions. Parce qu'on fédère les gens. Un, je fédère la diaspora. Mais de deux, je fédère aussi le milieu associatif congolais. Je leur dis que les revendications, on ne peut pas les faire sans eux. Les Congolais du Congo doivent dire leurs revendications à eux. Et notre rôle à nous, c'est de servir de relais à la commission et leur dire, voilà, le message des Congolais. Il y a des noms, il y a des historiens, il y a des experts en finance, en éducation, en pleine matière, que nous, on va mettre en contact avec la commission pour qu'ils les rencontrent. Parce que la commission fait que démarrer. Le 1er décembre, c'est pour ça que je rentre en Belgique, ils auront le premier rapport des experts qui leur ont donné une méthodologie et les thématiques à développer pour justement cette réconciliation. On veut bien réconcilier les communautés ensemble de Belgique. Mais pour ça, il faut tout cela. Il faut qu'on parle de la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. La vérité, c'est pas ce que toi tu vois. C'est ce que nous voyons. Donc on veut impliquer dans le travail de la commission les expertises des Congolais du Congo aussi, du milieu associatif. Pas seulement les historiens, mais aussi les économes. Okay. Aussi toutes les matières qui pourraient justement apporter une plus-value à cette commission pour que demain, et on se bat pour ça, elle passe aussi à l'étape suivante, c'est la réparation. Il faut une réparation. C'est ça, bah, bon, ouais. Vous voyez, c'est peut... vraiment ma réparation. Et vous avez raison. Espèce et vous avez raison, et c'est là en fait que je demande au peuple congolais de base à peine la maturité, mon boué, base à peine à mailler les. Au moins, les Belges reconnaissent à travers le discours du roi des Belges, vous mettez en mode internet, le discours du roi des Belges le 30 juin 2020 reconnaît les erreurs de leur passé colonial. C'est déjà bien, c'est le premier pas. Maintenant, bisopé tous à maillé, qu'on soit organisé, structuré et qu'on forme qu'un seul bloc. Si chacun vient avec son chemin, hein, ça ne va pas aller. Il faut qu'on soit organisé, que nous aussi, face à eux, on collabore avec eux pour leur dire merci d'abord de reconnaître vos erreurs, parce que le premier pas du pardon, c'est la reconnaissance. Si quelqu'un reconnaît qu'il a fait une erreur, on dit une erreur avouée est à moitié pardonnée. Maintenant, l'autre moitié, c'est quoi? C'est la réparation. Tout cela, tu regrettes, mais tu regrettes quoi? On va faire l'état des lieux ensemble, et des choses qu'on ne pourra jamais rattraper. Ceux qui sont morts, tu sais, on se bat pour récupérer les dents de Lumumba. Et je te donne des questions. Là, c'est un scoop. Ouais. Bientôt, notre président va être reçu de manière officielle. Oh, un scoop. Non, c'est parce que Nana Katabama Kamouana. Il va être reçu de manière officielle. Et c'est lui qui va rapporter ici au Congo. Minouana Lumumba. Voilà. C'est symbolique. C'est un symbole, c'est une reconnaissance. Là, c'est un problème. Et c'est là que les Congolais doivent être organisés. On a l'impression des fois que Makamona était Congolais. Donc, Makamona, ce gars-là, tu es annoncé chef de l'État à Bruxelles, à Belgique, à la roi belge, tu es bien nommé dans le monde Zongi. Bientôt. En fait, ils vont continuer à négocier parce qu'il n'y a pas que ça. On ne demande pas seulement les Kamino. On demande plein d'autres choses. Tu sais qu'il y a. À un moment donné, pendant la colonisation, les Belges, pour expliquer à leur population les crimes qu'ils faisaient ici, pour cacher ça, pour camoufler ça, ils ont pris des Congolais, ils les ont emmenés là-bas dans un zoo. Bati Bangwana Bafana Libanda. Yo ou Timbo Kamoko où il fait chaud, on t'a mis là-bas dehors où Malili. Bangonus Bakoufi. Tu entends? Okay. Ils sont tous morts. Mais je veux que les Congolais d'ici réclament les corps des Congolais qui sont morts. En Belgique, vous êtes exposés comme des animaux. Mais je ne vois pas la population le demander. C'est normal, la population a d'autres priorités. Information, information, mais aussi les priorités, tous appelés un solo. Un vent affamé n'a pas d'oreille. Ouais. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à l'image que tu peux avoir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a
Tu ne peux pas tout faire en même temps. Okay. Mais on a un gouvernement, on a des ministres, c'est-à-dire que chacun peut faire quelque chose. Chacun le président, peut faire quelque chose. Le président doit détacher des personnes qui vont s'occuper que de ça. D'autres gens vont continuer à s'occuper des routes, de la pluie, de l'éducation, des financements, l'alimentation de la population. Mais d'autres personnes doivent s'occuper de notre patrimoine historique. De notre patrimoine. Ils ont pris nos œuvres, ils ont pris nos statuettes, qui avaient un pouvoir. Ils ont pris notre histoire. Ils ont pris nos racines. Un arbre qui n'a pas de racines, c'est un arbre qui va tomber par terre. On n'est pas fort. Au Tinango et Kouya, on doit créer nos racines. On doit retourner où on savait que on avait notre propre paradigme. Le problème des Congolais aujourd'hui, ou des Noirs en général, c'est qu'ils veulent ressembler à d'autres. Toi, Mundelete. Toi, Batumindu. Toi, Bantou. Et il faut qu'on soit fier de ça. Mais avant d'être fier de ça, il faut que ça veut dire quoi, Bantou? Ça veut dire quoi, Bantou? Foto Yeba, on vient de où? C'est quoi mon origine? Comment avant que Bamundele Baya... Parce que notre histoire n'a pas commencé à la colonisation. Ouais. Notre histoire a commencé avant. Mais on a oublié ça. On n'enseigne pas ça assez dans les écoles ici et en Europe. Même Awa et le Kamusina. Bonjour Vanda, autant que ça va, on a vu que Degoka a découvert la mouchure du fleuve Congo. Mais avant Degoka, on a vu que Degoka a pas de la et on a vu que Degoka a été en train. C'est tout ça. Bonjour Vanda, bonjour à Demas, voilà que ça va. Voulez que ça va pas, n'est-ce pas vivre, mais ben, habituellement, on va vivre là-bas, fumboiter. C'est ça le triste. C'est pour ça que Change SBL se bat pour valoriser la culture. Est-ce que bah, en fait, tous ont ma comme Change, tous ont ma comme Change. Est-ce que bah, tu as Change, la culture peut-être mieux, mais bah, tu as Change. Est-ce que ma femme, voilà, on a Change, mais on a ma vie toto, mais voilà, ma fumboiter. C'est aussi ça. Moi-même, dit de la Kama, je me bats depuis 7 ans, ça fait 8 ans cette année-ci, de manière bénévole. C'est-à-dire que bah, foot a raté, de manière bénévole à revaloriser ma culture. Mais maintenant, je connais pas tout. Ici, quand je viens ici, j'apprends. Je suis des formations ici. Je vais dans des musées, je vois des professeurs, je vois des gens qui me transmettent ce que en Belgique j'ai pas appris. C'est-à-dire que si tu veux changer les choses, tu dois faire l'effort. L'effort, c'est d'aller vers les gens qui ont les capacités de te transmettre ce savoir. Avant, toi qui bah Kokomo Bouéba transmettre Bissot, on faisait une transmission culturelle. Aujourd'hui, on fait plus ça. Il n'y a plus assez de dialogue entre Coco, Na, avec les enfants, avec les parents. Avec le rapport à Libana, tu comme ça, nous sommes qui préférés magie à Mundele, tu es de Kamoto Mundu. C'est un débat. C'est triste. Non, mais c'est un débat intéressant. Et en fait, si jamais on ne rentre pas dans ça, tout ce qu'on va faire, ça ne va servir à rien. Au moment où ça fait des années qu'on est là, on a soi-disant l'indépendance, soi-disant l'indépendance. Mais tu vois pas que. Pourquoi soi-disant? Parce que. Papa, je sais pas si au Talamakambu, avant que le Congolais change quelque chose, fois Singao, on a besoin de l'ONU, des casques bleus, intervention. Mais pourquoi? Je vais pas commencer à faire ce que je veux faire. C'est-à-dire que je te respecte aussi, c'est-à-dire que non, là, on a pas comme un abino. Même moi, j'aime bien mettre des tenues africaines. Tu vois? Mais ça veut dire que nous-mêmes, on doit commencer à valoriser notre culture. On doit être fier de ce que nous on est. Si toi, tu parles avec quelqu'un et qu'il voit que tu as un complexe, oh, Matelo. Oh, Matelo. C'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un, il faut sonner sans complexe. Égal, égal. Homme à homme. Dieu a créé tous les hommes égaux. Moi, je crois à ça. Dieu a créé les hommes égaux. Toi et moi, on est la même chose. Et aucune civilisation n'est meilleure que l'autre. En tout cas, je suis issu d'une civilisation qui a bâti le monde. La civilisation d'où je viens, moi, est à l'origine du monde entier. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça, il n'y a pas un débat. Personne ne peut me dire le contraire. Il n'y a personne qui va dire, oh non, il n'y a pas de débat. Tout le monde sait que la source de l'humanité, des civilisations, c'est l'Afrique. Mais nous-mêmes, les Africains, tout le monde a respect. C'est-à-dire qu'on doit se respecter. Est-ce que le problème est comme Bango, le problème est comme Bissot dans les Africains? Est-ce que Bissot, tout ça, si Kawana Tia remet ça, une certaine valeur pour Bango, il y a Bissot dans les Soumourobes. Africains, on dirait que mon cerveau n'a bon Bango quelque part, il y a une indépendance. Le cerveau, il y a un bon Bango quelque part. Africains ne réfléchit pas, Africains n'est responsable de rien. On m'a dit, on lobby, il y a un bon Bango quelque part. C'est quand on va ramener nos œuvres d'art, tant on peut ça respect et pas bah, ancien, bah, quoi qu'on a biso, bah, t'as la biso. Quand on va commencer à respecter notre histoire, quand on va respecter notre identité, que ma commune est zonga, ma casse n'a biso est zonga. Il faut être fier de ce que nous on est.
Les Asiatiques sont fiers de ce qu'ils sont, et moi je les respecte. Les Européens sont fiers de ce qu'ils sont, et je les respecte. Les Américains du Sud, etc., etc. Chacun doit être fier de... Moi, en tant qu'Africain, en tant que Congolais, je suis fier de ce que je suis. Mais j'apprends tous les jours. Ils ont déconstruit notre mémoire. Ils ont déconstruit notre mentalité, notre psychologie. On est traumatisés. Ils ont retiré, avec cette colonisation, avec l'esclavage, tout ce qui faisait notre dignité. Il faut qu'on récupère ça. Aujourd'hui, les générations sont prêtes. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à se battre, comme Lumumba, comme Sankara. On a vu des modèles de gens qui ont donné leur vie. Leur vie. Peut-être l'Afrique, bah, Zobanga, là, lui, ouais. Non, mais en fait, plus tôt, Banga, plus tôt, ça, il est le côté. Bah, moi, comme je suis à Banga, raté. Bah, Signaka. Il signe. Tiamoutou Bakata. Et où tiawat? Tiamoutou Bakata. Il faut signer des fois. Et il ne faut pas avoir peur que pour soi. Il faut se dire, Nati Moutou, Tek Babomanga. Mais on est 80 millions au Congo. Mais si tu prends l'Afrique noire, on est combien? Ils n'ont pas tué tout le monde. Donc on est obligé de passer par le stade de sacrifice. On est obligé. Mais le sacrifice, ce n'est pas ce sacrifice humain, ce n'est pas que Tokoufa. C'est le sacrifice d'étudier. C'est prendre le temps. C'est donner de l'argent. Construire des choses. La volonté, en fait, c'est aussi un sacrifice. C'est-à-dire que moi, dans mes 24 heures de ma journée, je suis obligé de passer du temps à créer des choses pour demain, pour mon futur, pour que les enfants de mes enfants vivent un Congo meilleur. Au moins, la souffrance que nous on vit, tu vois, t'as vu, tu m'as montré les routes ici, mais je me dis, c'est impossible. Tu sais que dans 20 ans, 30 ans, je rêve que les enfants de mes enfants viennent à Kinshasa et ils ont des routes, ils ont la dignité, il n'y a plus la pauvreté, il y a l'éducation, il y a tout ce qui... L'émancipation, la liberté, la paix, c'est pas possible que dans nos pays, à nous, il y a la guerre. En fait, il y a plein de choses que j'arrive pas à comprendre comment on tolère ça. Je comprends pas comment toi on dit que Batou est belé beaucoup fabiso total. On sait ça et Batou Bakoufi biso total. Batou Bakoufi puis on vit. Biso Bakoufi biso total na Batou. Mais tu as le sauté. Na est que na Batou Bakoufi na banka. Et puis aux Zapango. Mais tu regardes les émissions de divertissement de bêtises ou Batou Bakoufi nana. Mais quand on te montre tes frères et tes sœurs en train de mourir à Beni, tu te coupes pas. Mais le jour où comme Awa, faut dire oh, aidez-moi. Mais toi, aide d'abord, si tu veux qu'on t'aide, aide aussi les autres. Parce que, et comme l'abisso. Dido, la Kama, change as well, change Africa. Change Africa na Kinshasa, et ça opérationnel déjà. Et na Kinshasa, ouzouze la nini, na change Africa. J'attends de la population congolaise, surtout de la jeunesse. Moi, le travail que je fais en Belgique, c'est vraiment un travail orienté vraiment sur la jeunesse, puisque c'est dans eux que je mets mon espoir. C'est pas que je me suis découragé des plus âgés, mais on s'est habitué, on a montré, on a fait notre temps. Et des fois, il faut transmettre le flambeau. Moi, je rêve d'avoir une jeunesse à qui on va transmettre le flambeau. Baza Moussalawana, Basalango, mieux que nous on a fait. Ce que nous on fait dans Change As Well, c'est de dire aux jeunes, à Change Africa aussi, Moutoulibos aussi, c'est de dire à la jeunesse, prenez-vous en charge. Il ne faut plus attendre. Personne ne va te libérer. C'est toi qui vas te libérer. Mais pour te libérer, il faut libérer ta tête. On est en prison dans la tête. Il faut te libérer dans la tête. Dire, le monde m'appartient. Le monde m'appartient. Le monde appartient à la jeunesse. En Afrique, on a une richesse énorme. À part nos minerais, c'est notre jeunesse. C'est-à-dire que le monde vieillit. Hein. En Europe, okay, ouais. T'as que des vieux. Ici, en Afrique, on a une richesse, c'est notre jeunesse. Et quand cette jeunesse va prendre conscience qu'on est une force, il faut battre les mains. Mais faut, nous, les plus vieux, on doit les organiser, les structurer, leur donner les moyens, les outils, les armes nécessaires. Quand on dit les armes, ce n'est pas seulement les mundouki. Les armes, c'est le bic. C'est la connaissance, c'est la science, c'est la volonté, c'est l'amour. Parce que tout commence avec l'amour. Je pense que les Congolais n'ont pas assez d'amour pour leur pays, pour leur patrie et pour leurs frères et sœurs. C'est pour ça que on tolère que si moi je t'aime pas que Lobio Koufi, mais ça je m'en fous. Mais si je t'aime et que demain on me dit que Koufi et ça n'a pas si puis dans Dimangote, dans Bundelango, je veux justice. Il faut mettre en avant les rapports mapping. Il y a eu des crimes ici. Okay. Il y a eu des crimes au Congo, dans nos frontières, jusqu'aujourd'hui, Batoubalo Bangote. Il y a des crimes au Congo. Lundi, il y a eu 20 morts. On ne peut pas tolérer ça. Oui, Nananzala, c'est vrai. Mais il y a des gens qui meurent, qu'on découpe, on viole, on te viole devant tes enfants, on viole un papa. Tu t'imagines? Bah viole papa, non, la libosono. On fait des choses atroces. Il ne faut plus tolérer ça.
quand les jeunes vont comprendre que non, ce qui arrive là, c'est intolérable, tout est les mains. Vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 jours comme un chien. Donc c'est là, je suis un lion. Comme on a Black Lion, je suis noir et je suis un lion. C'est-à-dire que je dis de faire en sorte pour que la population congolaise comprenne qu'ils sont des lions. On est un peuple de lions, de léopards. C'est-à-dire qu'on est des rois ici. Merci, Dido Lakama. C'est une partie de la diaspora. Il y a fine, moko boye. Parlons plus des valeurs. On est au stick télémé la plus côté obscur d'espoir on répond dans l'ango parce que le monde nous le babongo d'espoir le verra bien mais pour ça ma casse dans le basse bâtiment dans la moussala beaucoup à 12h aux ana na yolo à 15h aux ana chab aux ana Thompson à 17h aux ana Kimbout aux ana musique Abi va d'espoir pour le bagabelle mais tant qu'on va continuer dans la congolaise la lecture morale d'espoir en temps mais il y a travail les lots notamment entourage à chef de l'État mais tout ça c'est plus les d'espoir mais rendement est faible en dessous de la moyenne le système c'est à dire que on système est indiqué que nous mélangeons non le système fait que si tu en fait j'étais avec une autorité hier qui m'a dit donc je suis arrivé ici je me suis battu pour que je change mais tous les gens du cabinet m'ont combattu parce qu'ils sont habitués. Ils sont habitués aux au moins commission, aux au moins aux ans. Tu vois, c'est le système. Elle m'a dit après 3-4 mois, tout le monde me déteste. La Lembi. Donc j'ai fait non, si tu arrêtes, ils ont gagné. C'est le système. La corruption, c'est pas seulement dans les politiques. Faut qu'on dit Mango. Oui, c'est vrai. Il y en a qui déconnent. Mais il y a aussi la corruption partout. Partout, du haut jusqu'en bas. Si tu vas dehors, tu vas acheter ça, ça coûte 500 francs congolais. Mais tout le monde peut acheter 600, 700. Si tu parles avec Momo et Outi, Moussika, 1000. Bon, mais la corruption, c'est partout. C'est le système qu'on a changé. C'est la mentalité. N'attendez plus que les autres changent. Si, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre dans ton œil. Vous avez raison. Les politiciens doivent faire leur travail de politicien. Ils doivent changer leurs valeurs. Mais chacun d'entre nous doit changer ses valeurs. Et voilà. Et par rapport aux frères combattants et à Bandekona Bissou, tu sais, même les combattants. Ils font la loi aujourd'hui. Non! Les combattants, il y a des bons combattants et il y a des mauvais combattants. Maintenant, avec notre intelligence, on regarde. Parce que les messages, des fois, sont bons. Ils poussent que les choses changent. Mais il y a certaines parties, Batoumsousou, Finaka, ils ont aucune proposition. Eux, ils ne m'intéressent pas. Mais il y a des combattants avec qui moi, je collabore, que je travaille avec eux. Ce ne sont pas mes ennemis. On collabore, on travaille. S'ils ont des idées, des projets et qu'eux-mêmes, ils veulent passer à l'action, ça m'intéresse. Mais si c'est certaines personnes, que ce soit combattants ou pas des combattants, des autres, tous les Congolais, tous les gens, les êtres humains qui sont que critiqués ou insultés, ça ne m'intéresse pas. Il faut s'entourer des énergies. Au moins, la vie, c'est l'énergie. Moi, j'ai une énergie positive. Je veux être entouré de gens qui sont positifs pour qu'ensemble, on construise des choses positives. Chez les combattants, il y a des positifs. Chez les politiques, il y a des positifs. Chez les citoyens, il y a des positifs. Cherchez parmi les politiques, tout le monde n'est pas mauvais. Bien plus quand demain, vous allez voter. Votez les gens que vous avez vus qui ont fait du bon boulot. Votez les bons. Il y a des bons partout. Il y a des mauvais partout. Partout. Chez les noirs, chez les blancs. Chez les politiciens, chez les citoyens. Il y a des mauvais et des bons partout. Maintenant, avec notre intelligence, c'est pas que, oh viens manifester, il y a un rassemblement de moutons. Bah, PSO, moins 5 dollars, au lati t-shirt, au gagnant, ouais, bravo! Demain, bah, PSO de 5 dollars, ok, et pas mon sous-sous. Bravo, non. Tu n'aides pas ton pays. Quand tu vas te mettre quelque part et tu dis bravo à quelqu'un, au commissaire, allez chez les gens qui font bien le travail. Et il y a des gens bien partout. Merci, monsieur Didio Lakama. Le changement commence par soi-même. Tokomina Souka, merci Nadingo de répondre à l'invitation. Biso, peut-être un dernier mot dans 30 secondes. Un dernier mot, c'est Bandekona Biso, toi Bandekona Binopé, c'est-à-dire qu'on est des frères et sœurs. Si Naouti, peut-être diaspora, mais je me sens congolais. Donc on va travailler ensemble pour construire notre pays. Aujourd'hui, la diaspora veut collaborer à l'émancipation, au développement de notre pays et on doit le faire ensemble. On va le faire ensemble, on va se faire confiance et on va évoluer. Le Congo va être fort s'il est uni. Uni. On doit se fédérer. On doit penser au Congolais de l'Est comme de l'Ouest, du Nord comme du Sud, ensemble. Un seul Congo. Merci. Merci. Un seul Congo, Congo et Tombama. Ceux qui sont là, mon corps, ceux qui sont là, ensemble, nous sommes là, Tombama. Mais yotina, Congo, Kobeta Kalisolo, il y a Moutou.
obosene kobeta le solo ya mboka osunga mboka oyo te tango za sala pre ya koya ko finga moto na television topé na ba réseaux sociaux po atelemela ki x y o azali ya obedience politique moko na yote to sunga mboka yote merci na confiance tabino nyonso ko landa biso ba papa ba maman na bilenge o ezali agence na bino smart consulting o ezo sa la bino musala ya kito toza na ba bourse d'études pour na bana na bino oyo bakokene ko tanga na étranger etc ya moye bimi papa maman milengela yaka na bureau pour na ko se renseigner pour na intérêt ya mwana na yo toza na bourse d'études pour na Tunisie toza na bourse d'études pour na Chypre pour na Biélorussie na Ukraine pour na ba onyoso baza na posa ya osala tourisme na Schengen na Canada na États-Unis na Turquie boya tozo sale la bino assistance visa na $500 ya pamba ata yo mutu oza commerçant oza na posa o kene ko somba biloko na Turquie na Chine oza na posa o beta ma tour na Dubai yaka na smart consulting to sale lo musala ya kitoko nous avons toute une équipe de professionnels qui seront là pour vous assister ba numéro na biso za na se bo benga biso pana ba o union so ba lingi ko kutana na biso ba ya na bureau toza na commune Ningwala na avenue Nyangwe numéro 269 arrêt Assanef référence Tin Marché. Bienvenue à tous. La Smart Consulting avec $500 on peut manger partout dans le monde.